Paris, and all that jazz. J'étais encore étudiant à l'École nationale de théâtre du Canada. Ça a été un été merveilleux. Encore aujourd'hui, quand on me demande c'est quoi mes plus beaux souvenirs de cinéma, c'est Nos Jours Heureux qui me vient en tête toujours. Lannick, Marie-Lou, Joséphine, Omar, Julie, Jean-Paul et bien sûr Éric et Olivier. Merci pour cet été incroyable. Encore aujourd'hui, les Français m'arrêtent dans la rue à Montréal pour me demander de leur dire ma fameuse phrase « Je suis bien d'accord avec la grosse ». Et ce soir, je vous annonce en grande primeur que Nos Jours Heureux aura une suite. Et oui, Nos Jours Heureux 2. mais non, c'est pas vrai. Mais je compte sur vous tous. Omar convainc Éric et Olivier de faire Nos Jours Heureux 2. Truman pour être le directeur de la colo. Je suis dispo. Alors, je vous embrasse tout le monde. Vive Nos Jours Heureux, vive le cinéma. Ça va
avec le public autour de ce film. Malheureusement, un peu compliqué. On a déménagé il y a 5 ans dans le Moyen-Orient avec ma femme. Donc, difficile, pas incroyable pour le bilan carbone de faire l'aller-retour juste pour la soirée, même si j'aurais adoré faire ça. Déjà 20 ans pour le tournage. L'année prochaine, ça fera 20 ans. On avait tourné en 2005. C'est incroyable comment les années sont passées vite. Il y a 20 ans, il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas Facebook. Et pourtant, ce que je trouve fou, c'est que le film a totalement traversé les années, a traversé les époques. Totale coïncidence, mais il y a une heure de ça, avant d'enregistrer cette vidéo, j'avais un rendez-vous avec une Française. Et à la moitié du rendez-vous, elle me dit « Attends, c'est pas toi qui as joué dans Le Jour Heureux. C'est notre film préféré, on le regarde tous les ans avec la famille. » Donc je suis très très impressionné et toujours agréablement surpris d'avoir des gens qui nous en parlent. Et qui parle d'un film qui les a marqués, comme nous, ça nous a marqués. Moi, c'était mon premier long métrage. Je pense qu'on n'aurait vraiment, vraiment pas pu rêver mieux déjà pour tourner un long métrage incroyable, mais comme premier long métrage, je pense que ça devait déjà sûrement été dit ce soir, mais c'était une vraie colonie de vacances pour nous aussi. C'était du travail, mais c'était surtout beaucoup, beaucoup de plaisir et d'amusement. Et voilà. Moi, en tout cas, je suis sûr qu'on continuera à en parler. Mon fils a 2 ans et demi aujourd'hui, je suis certain que dans 10 ans je pourrai encore lui montrer le film et que c'est quelque chose avec lequel il arrivera à connecter. Donc voilà, on ne se voit pas ce soir, mais peut-être, qui sait, pour la célébration des 30 ans du film, peut-être qu'on se verra à ce moment-là. Je l'espère en tout cas, passez dans tous les cas une super soirée, profitez bien et je vous dis à très vite. Il n'a pas changé. Il est marié, il avait envoyé un premier message de 10 minutes. Comme dit Eric, il n'a pas changé. Alors maintenant, place à ceux que vous avez vus et revus dans ce film et qui ont, pour certains, un petit peu changé. Alors on va commencer par les enfants. Les enfants ont un petit peu changé. Arthur de Nono, Steve, rejoins-nous. Alors Arthur, je vous Arthur. Allez, Steve. Arthur Mazel. Enfin, je sais pas, enfin peut-être. Bonjour à tous. Il y a la machinière, toute charlotte, il y a un coup. Martin, Jobert, le petit Pichavant. Martin Jobert. Le moi, Pichavant. Sylvie Colbert. Sylvie, là. Vous l'avez vu. Vous avez un gros bisou de Joana Ansar, qui joue Léa, qui habite en province, qui n'a pas pu venir. Voilà. Mais il y a des soucis. Alors maintenant, on va appeler Limoun. C'est extraordinaire de se revoir. Hein. Franchement, le film, qui aurait pu penser?
Allez, on va appeler tous ensemble le directeur de la colonie de vacances et un de ses animateurs. Je parle de vous. L'équipe du film, technique, Rémi Chevrin, c'est de nous rejoindre. On doit aussi avoir la photographie. Pascal Armand et Fabrice Grisard sont là. Tout le monde dire un petit mot. On peut tous dire un petit mot. Non, juste dire, c'est toujours stressant, il y en a en première. On espère que le film va vous plaire. Enfin, en tout cas, on s'est vraiment amusé à le faire. Donc voilà. Il sort quand, Jean-Paul? Il sort quand? Il sort il y a 19 ans. Ah, passez-vous le micro, les gars. Non, mais c'est une avant-dernière, en fait. C'est une avant-dernière. Donc, je sais pas, t'as pas envie d'être assez ambiance. Tu dis ça, nous, c'est quoi? Mais non, mais parce que c'est justement, le film est déjà sorti. Il est déjà, voilà, il est déjà stylé. C'est pour ça, c'est très émouvant de voir tout ça. C'est vrai, combien de fois vous l'avez vu et vous êtes encore là. Donc, c'est très touchant. Donc, moi, je suis très content pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas vu le film? Impossible. Bon, en fait, vous sentez, faut savoir que Omar, il devait être dans la climatisation chauffagiste. C'est ça, t'avais commencé ça. Et finalement, non? Finalement, d'abord. J'ai une affaire. Tu peux l'ouvrir à Los Angeles, peut-être. Voilà, qui veut dire un petit mot? Moi, je veux bien dire un petit mot. Joséphine, un petit mot. Jean, dis un petit mot. Non, moi, je suis très heureux de vous voir. Je commence à être, je l'ai fait pas. Mais je commence à être un vieux monsieur. Et j'ai des gens, je rencontre des médecins, des architectes, des gens que je vois pour les affaires, des trucs comme ça, qui sont très sérieux. Et dès qu'ils me voient, ils retournent en enfance. Ils me disent, mais c'est vous, Mimouche. La fois, c'est un scanner, parce que pour faire les infiltrations. J'étais tout nu, avec les fesses qui dépassent. Le mec, il regarde les fesses. Il dit, vous êtes Mimoun, je vous dirai. Il dit un petit mot. Un petit mot, les gars. Ilona, tu veux dire un petit mot? Ça va mieux ton doigt qu'on a les fingers? Oui, c'est quand même fou d'entendre quasiment tout ça. Et ça, je pense que c'est amusé pour faire un super. Merci. Joséphine, dis-moi un petit peu. On a besoin de t'entendre. On a besoin. Sors-le. Aucune vulgarité. C'est vrai que c'est un film dont on parle beaucoup. Beaucoup. Mais la
ma foi. Une fois, depuis 20 ans, j'ai menti à quelqu'un dans la rue qui m'a dit « Ah, mais vous êtes Caroline dans Nos Jours Heureux ?» J'ai dit « Non, pas du tout. » Et donc, les gens m'ont regardé comme ça, genre « C'est qui cette weirdo ?» Ils se sont barrés. Et j'ai recroisé ces mêmes gens, 3 ans plus tard, dans des toilettes, en Bretagne. C'était des toilettes un peu de camping, enfin des campings un peu luxueux, parce que c'est des toilettes pour les gens qui font du bateau, quand même, je sais pas. Tu veux dire dans une marina? Dans une marina. Pas du tout ce qu'on appelle une digression. Dans une marina bretonne. Et donc j'étais avec une amie, et donc il y avait des jeunes gars. Donc ces jeunes gars, non, mais j'ai presque fini. Qui me voit rentrer et qui me dit: putain, c'est la connasse qui m'a dit qu'elle n'était pas Caroline dans Nos Jours Heureux. Une fois, ça m'est arrivé en 20 ans. Plus jamais. Les jeunes. Nanique, un petit mot. Nanique, qui est pour le coup, qui est breton. T'as peut-être croisé aussi. J'ai croisé Joséphine dans un camping, je disais Caroline, tout. Non, moi, je suis très très content de voir, très ému. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, pour la plupart depuis plus de 10 ans, Omar. Hein, c'est au téléphone il y a 2 jours, je te dis. Je n'étais même pas sûr de le reconnaître. C'est tellement longtemps. Non, voilà, je suis content que tu es là, parce que c'est le plus bel hommage pour la fermeture d'une salle, c'est d'occuper chacun des sièges. Donc voilà, c'est fait. Merci à vous. Comme Joséphine, j'ai un peu lutté pendant tout le tournage parce que mon vrai accent c'est quand même le québécois. C'est vrai, faut le dire. Maintenant, voilà, vous pouvez savoir, elle est québécoise. Si quelqu'un a regardé les bonus de ce film. Oui. Bon, ben c'est de même que je parle, moi, là. Mais quand t'es belle, c'est bien compliqué de parler de même. Mais très heureux, très ému de voir une salle comble ce soir. C'est vraiment fou. Merci Eric, merci Olivier. C'est un plaisir de revoir tout le monde après 10 ans. Enfin, 10 ans, pas plus. Oui, on a tous 18 ans. C'est fou. Ça fait plaisir parce qu'on a tous bien grandi. Le film aussi. Continuons à grandir. Arthur, un petit mot aussi. Bah, merci d'être venu. Franchement, ça fait plaisir de voir une salle de cinéma pleine pour un film qui est sorti il y a 18 ans. C'est assez fou. Dire que ce film devient majeur, quand même, c'est ça y est, de boire de l'alcool et tout. Non, franchement, ça fait vraiment plaisir de revoir toutes ces têtes avec qui on a fait un super tournage. Moi, bah, comme beaucoup, c'est mon premier tournage. Et d'entendre encore parler de ce film presque une fois par semaine, enfin je sais pas, enfin peut-être. Voilà, ça fait toujours le même effet, c'est hallucinant. Voilà. Bah, merci d'être venu en tout cas. Bah ouais, c'est impressionnant de voir tout cela présent encore pour le film. Surtout impressionnant de voir que t'as de la barbe. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est normal, c'est le processus normal. Non, c'est vrai, moi, c'est aussi un personnage qui m'accompagne depuis 19 ans maintenant. On m'arrête encore, on me demande si ça va mieux. Ça va mieux. Et non, c'est un gros, gros plaisir d'être là, de vous revoir tous. Franchement, bravo d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment top. Bonsoir tout le monde. Je suis surtout là pour vous dire que Youssef, on a rompu. C'est un peu tout.
Mais c'est pas grave. Mais plus sérieusement, je vais faire écho à tout ce que mes camarades ont pu dire. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui connaissent et qui ont vu 53 fois le film en un an. Donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, bah, peut-être pour une suite, on ne sait jamais. Jean-Michel, un petit mot, Jean-Michel, un petit mot. Bien, plaisir, bonsoir. Ravi d'être là, bien sûr, comme tous mes camarades. Je suis très heureux d'avoir tourné dans ce film. Allez. On m'en parle encore énormément, comme tous mes camarades également. Et je suis ravi d'avoir un fils qui a magnifiquement grandi. Je suis encore plus heureux que c'est le seul, donc j'en profite bien. Et je suis voilà, très content d'être là avec vous ce soir. Merci à vous. Madame Marcelo. Moi, je suis très, très émue et très contente d'être là. On me reconnaît encore pendant la marche longue. Et j'ai une petite anecdote. Hein. Il y a quelques années, je suis allée dans un consulat pour refaire mon passeport. Et quand je suis venue rechercher mon passeport, la personne me regardait, elle m'a dit « Mais je ne peux pas vous donner le passeport. » Et je la regarde, j'ai dit « Pourquoi ?»« Vous n'avez pas la MCBA. » Et dans ma tête, je me dis « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ?» Elle me dit, vous n'êtes pas la Marciano. Alors, il reste deux petites surprises. Une surprise, déjà, je sais, rarement, tu avais failli faire The Voice, tu te rappelles ou pas? Oui. C'était pour quelle chanson, tu te rappelles? Là au cinéma, Merci à tous. Une dernière petite surprise avant de revoir le film. Merci à tous d'avoir répondu présent. Vous êtes vraiment exceptionnels. Vous avez offert un moment de respiration dans un moment compliqué. Et c'est un peu ça, le jour heureux, c'est on se réfugie parfois. Merci, on vous embrasse tous très fort. Merci à tous. L'organisation, vous pouvez les applaudir, vous avez été formidables. Je remercie aussi le monteur Dorian et Antoine qui sont peut-être dans la salle, je les ai croisés, mais vous n'êtes pas trop montés sur scène, mais sans eux rien n'est possible. Et je veux vous repréciser pour ceux qui veulent que les t-shirts qui sont à vendre, c'est au profit d'une association qui s'appelle Le Silence des Justes qui a été mis à l'honneur dans le film Hors Normes. Encore mille merci. Et est-ce que vous voulez un autre jour faire votre on va déjà voir le 1, s'il est bien, peut-être qu'on fait le 2. Allez, bon.